Et c'est vital pour eux après l'élimination en Ligue des Champions. Barcelone est privé de Neymar, suspendu, Alcacer le remplace. Au Real, Bale, de retour de blessure, est titulaire. Avec une ouverture sur Dani Carvajal, le premier appel, le centre de Carvajal en première. Attention, la récupération de Ronaldo, il tombe dans la surface face à Samuel Umtiti, il semble y avoir un contact là. Carvajal s'est bien joué avec évidemment Benzema qui va lancer. Cristiano Ronaldo, le portugais, lancer le retour de Piqué, trop court. Ronaldo dribble Gérard Piqué, c'est bien joué pour CR7. La frappe de CR7, elle est captée par Ter Stegen. Ronaldo semble très en jambes dans ce début de match. Iniesta, Messi, voilà, qui est bien orienté. Jordi Alba est encore seul au départ de l'action. Première intention, entrée. Luis Suarez, la frappe de Luis Suarez, elle passe à côté du but de Keylor Navas. C'est la première action construite vraiment par la formation catalane. Le débordement de Ronaldo. Ronaldo face à Gérard Piqué, il revient. La frappe enchaînée de Ronaldo. Manchette de Ter Stegen, le dégagement de Samuel Umtiti. Le Real est l'équipe qui marque le plus sur coup de pied arrêté en Liga. 25 buts sur phase arrêtée. Le corner de Kroos. Marcelo à la récupération. À l'entrée de la surface, Marcelo avec un nouveau centre vers Ramos. Évidemment, la reprise de Ramos. Et Casemiro vient marquer pour le Real Madrid. 1-0 pour l'équipe de Zinedine Zidane. Les défensifs à l'honneur. Marcelo, Ramos comme toujours et Casemiro pour finaliser. Et cette carence qui est l'habitude de cette équipe de Barça. Messi, lui évidemment il peut le relais sur Busquets avec Manuel Rakitic. Ballon entré, c'est bien joué Suarez, il laisse Messi percer de la Pulga. L'égalisation merveilleuse, ce slalom de Lionel Messi. Barcelone revient très vite dans ce match, un but partout. Messieurs, dames, d'abord je vais rester très calme parce que la condition l'impose. Mais on dit tout le temps, quand il y a un joueur qui forcément est différent. Carvajal, Ronaldo, Luka Modric, en bonne position. La frappe de Luka Modric, quelle envolée de Ter Stegen, le centre ensuite de Cristiano Ronaldo part très très loin. Échappé de Luis Suarez, sans faire de faute, selon Hernandez, Hernandez, Messi, le danger approche, ouverture de Messi, Nacho intervient, Messi pour la récupération, le tir de Léo Messi à côté du cadre. Peut prendre un ascendant là, le Brésilien face à Rakitic, ballon en retrait, le tir de Toni Kroos et encore une parade, une nouvelle manchette de Ter Stegen. Casemiro, Kroos avec toujours la montée de Marcelo, le centre de Marcelo, Benzema et quelle manchette encore, lumineux Ter Stegen. Rakitic avec toujours à la Jordi Alba devant Carvajal, la passe pour Rakitic, parcours Alcacer, la frappe d'Alcacer et la parade de Keylor Navas. Corner de Rakitic, tête de Piqué, parade là aussi remarquable de Keylor Navas. Benzema, quel contrôle. Oh, Karim Benzema, quelle passe, la balle de but pour Marco Asensio. Asensio dans la surface, le centre vers Ronaldo, le loupé de CR7. Et ça repart maintenant côté Blaugrana avec Andrés Iniesta, l'extérieur d'Iniesta, Suarez au deuxième poteau, une occasion nette, parade déterminante de Keylor Navas. Jordi Alba est seul, voilà, encore en possession du ballon, Jordi Alba pour Messi, contrôle enchaînement de Messi, ballon sorti par Nacho, Rakitic, crochet de Rakitic, la frappe peut-être enchaînée, golazo d'Ivan Rakitic, quel but splendide et le Barça reprend l'avantage. Et le monsieur, qui à un moment donné, on disait, il ne joue plus comme autant des fois il avait fait à Séville, en étant un numéro 10 déception. Gérard Piqué met le pied pour sortir ce ballon. Messi, wow. Ramos n'a pas échappé au jaune. Là. Quelle faute de Sergio Ramos, et il le sait. En rouge, carton rouge direct pour Sergio Ramos. Le Real. Suarez, quelle remise là encore sur André Gomes, le centre du portugais, Gérard Piqué pour la frappe enchaînée, Keylor Navas sauve vraiment le Real Madrid là du troisième but. Messi, ah, Messi là il devient facile, Messi évidemment tout le monde recule face à la Pulga, la frappe enchaînée de Messi, énième parade là aussi de Keylor Navas. C'est ses qualités des passeurs,
Harry Hunter, elle est bonne. Voilà, c'est justement pour Toni Kroos. Marcelo. Centre de Marcelo. La reprise et l'égalisation de Rames au caractère. Le Real Madrid revient 2-2 dans ce match. À 10 contre 11. Quelle fin de match! Le ballon de Cristiano Ronaldo sur Asensio. Là, il peut le manger. Rien que dans la course, Asensio peut l'éliminer à piquer. Son pied gauche. Marco Asensio. Et une frappe cadrée à nouveau. Encore une parade de Ter Stegen. Ce n'est pas terminé. Asensio pour un ballon tendu. La reprise de Ronaldo en déséquilibre. Derrière lui, c'était difficile. Attaque peut-être de la dernière chance pour le FC Barcelone avec André Gomes. André Gomes, Jordi Alba est parti. Il le trouve. Le ballon en retrait. Messi pour la... Le troisième but pour le Barça, incroyable, dans le temps additionnel, Messi, son 500e but avec le Barça. Et maintenant, quand on dit « vous nous faites en place sur les classicos », vous arrêtez pas de nous donner l'illusion du rêve, etc. 3-2 pour le Barça qui s'impose donc au Bernabeu dans ce scénario. Dingue, complètement inimaginable et imprévisible. La Liga est donc maintenant complètement relancée. Le doublé de Messi, son 500e but avec le Barça, et les deux équipes, le Real et le Barça, sont maintenant à égalité au classement. C'était fou, le Barça a été rejoint 2-2 en étant à 11 contre 10, et là Messi sauve Barça.